Salut les ghouls, bienvenue sur la chaîne YouTube de Monster High Fan Français. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une surprise, comme je vous l'avais annoncé sur la chaîne. Donc c'est ma première Dot Dead Gorgeous et il s'agit de Spectra Vandergeist. Donc nous avons ici le devant de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, le fond est noir avec des poids et des crânes Monsterite violets. Le logo Monsterite, Monsterite écrit sur le côté. Le dessin de Spectra Dot Dead Gorgeous, qui est magnifique. Son nom, le symbole des Dot Dead Gorgeous, le bas de la boîte qui est identique au haut de la boîte, la poupée bien évidemment, vendue avec ses accessoires et le socle. Ensuite, au dos, nous avons donc Spectra Vandergeist, fille d'un fantôme. Voilà, donc c'est des versions européennes, donc il n'y a pas toute la description comme sur les boîtes américaines. Donc ici, on a l'image officielle de Dot Dead Gorgeous, le dessin de Spectra, voilà les autres de la collection en bas. Bref, je vais déboxer cette merveille pour vous faire la review. Alors, à tout de suite. Me revoici avec la magnifique Spectra Vandergeist Dot Dead Gorgeous hors de sa boîte. Alors on va commencer par les accessoires. Donc à l'intérieur il y avait sa petite carte, donc avec le dessin de Spectra, juste sublime. Au dos on a les autres Dot Dead Gorgeous, donc Dot Dead Gorgeous qui signifie branché à mort et à poids. Donc comme vous le voyez ici on a Laguna, Spectra, Operetta et ici Draculaura, Ghoulia et Abby qui font partie du pack exclusif qui malheureusement ne sortira pas en France. Sniff. Donc ensuite il y avait son Eye Tomb. Donc voilà. Comme les Dawn of the Dance. Donc comme vous le voyez il est écrit Spectra dessus. Enfin je sais pas si vous voyez bien parce que c'est tout petit. Donc il s'ouvre. Voilà. Donc moi mon autocollant est un peu mal calé mais bon c'est pas très grave. Elle avait aussi ce cadenas, voilà, violet, qui en fait est en poudrier, qui s'ouvre comme ceci. Donc avec à l'intérieur une palette de trois couleurs, violet foncé, rose flashy et le fluo. Il y a aussi ce mini Rikiki pinceau. Alors franchement, faut faire super gaffe parce qu'il est tout petit. Donc de ne pas le perdre. Donc avec le crâne de Monster Eye. Voilà, donc il a son petit emplacement. Hop là. Et on referme le cadenas. Il y avait aussi son sac, donc c'est une pochette noire toute simple, entourée de chaînes argentées, donc il ne s'ouvre pas, mais je pense que les chaînes apparemment peuvent s'enlever, enfin, du moins ça a l'air vu que c'est souple. Donc voilà pour les accessoires, passons donc à la poupée. Alors déjà, cette Spectra est vraiment une de mes préférées de la collection. J'adore ses cheveux. Ils sont différents de la Spectra basique. Donc elle est coiffée avec une queue de cheval très très longue. Voilà. Donc essentiellement violet, avec un violet un peu plus clair. Comme vous le voyez, sa queue de cheval est faite sur le côté et attachée avec une espèce de... d'accessoires qui représentent des chaînes, toujours dans la thématique fantôme pour Spectra bien évidemment.
Alors elle a une paire de boucles d'oreilles que j'adore. Donc de ce côté, nous avons une clé squelette blanche. Et de l'autre côté, un petit cadenas en forme de cœur au bout d'une chaîne. Donc c'est juste super joli, très détaillé. Ensuite, son maquillage est rose fluo avec un petit trait mauve un peu brillant. Les lèvres sont violettes, un peu plus foncées que la basique. D'ailleurs, je vais prendre ma basique pour vous montrer pardon, la différence. Si j'arrive, la voilà. Donc ici, nous avons Spectra basique. Désolé pour le flash. Voilà. Donc comme vous le voyez, son maquillage est plutôt bleu, plus pâle, alors que sur la Dot Dead Gorgeous, il est beaucoup plus flashy, on va dire. Et il y a aussi une différence au niveau des cheveux, puisque comme vous pouvez le voir, la Dot Dead Gorgeous a des cheveux beaucoup plus flashy aussi, plus voyants. Ses mèches sont de la même couleur que les cheveux de la basique, voilà. Sauf que ici c'est vachement plus rosé, contrairement à la Spectra Basique qui en dessous a des cheveux mauve argentés un peu. Donc c'est très différent, mais je trouve que ça lui va bien. Donc voilà pour la petite comparaison. Donc revenons à notre Spectra Dot Dead Gorgeous. Donc avec sa petite frange, qui n'est pas du tout la même que sur le dessin, mais ce n'est pas grave, ça lui va bien quand même. Ensuite, sur le buste, on peut voir qu'elle a une espèce de bijou, je sais pas trop ce que c'est, des chaînes en fait, voilà. Des chaînes qui sont censées flotter, comme sur le dessin de la boîte. Voilà. Donc, ça rend pas trop mal. Donc en parlant de chaîne, elle en a aussi sur les mains. Donc ici, elle a un petit bijou, un petit bracelet au niveau du poignet, avec son petit nœud rose à pois. Et de l'autre côté, elle a un petit bracelet autour du poignet, sauf qu'il est différent puisque là, on a une petite chaîne qui rejoint une petite bague placée sur son majeur. Oula! Donc voilà, ça fait super joli. Ensuite, sa robe. Je suis désolé, j'ai un peu... J'ai un chat dans la gorge. Donc, sa robe. Alors, elle est transparente. Elle est mauve-rose un peu. Donc, les motifs dessus, ce sont des boulets bleu foncé. Avec des chaînes rose foncé aussi. Et juste en dessous, elle a une mini-robe toute simple, mauve-gris avec des pois noirs. Voilà. Donc, des pois, c'est logique puisque c'est la thématique de cette collection. Ensuite, au niveau des pieds, elle a deux bracelets de cheville qui représentent l'entrave, une entrave où on accroche une chaîne et le boulet. Voilà. Et ses chaussures en fait sont des chaînes. Donc voilà, ses pieds sont transparents. Comme la Spectra basique. Alors ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé que les chaussures soient grises. Parce que le violet du coup pour les chaînes, je trouve que ça le fait pas trop. Grise un peu comme la brosse et le socle. Avec laquelle Spectra est livrée. Bref, cette Spectra est vraiment magnifique. C'est ma deuxième préférée de la collection, juste après Laguna. Et la review est terminée. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles reviews. Salut les ghouls !